In order for us to understand what's happening today, it is vital that we understood what happened in the past. C'est un projet autour du D-Day, donc du débarquement en Normandie, avec comme point d'orgue la cérémonie de commémoration le 6 juin. In dem Projekt geht es darum, dass junge Menschen aus den Ländern, die damals bei der Landung in der Normandie beteiligt waren, den D-Day zusammen neu aufarbeiten und dabei Erinnerungsarbeit neu erleben. Und das Ziel dabei ist, dass sie zusammen eine Performance entwickeln, die den D-Day von 1944 ins Hier und Jetzt holt. In dieser Aufführung geht es darum, Biografien von Personen, die den 6. Juni 1944 miterlebt haben, auf die Bühne zu bringen und zu interpretieren. So there are about 15 of us and we're all from different places in the world. And we are divvied up in three different categories. There are the actors, there are the historians and there are the screenwriters. Ich wollte am Projekt vom D-Day mitmachen, weil der D-Day in Bezug auf Frieden und Demokratie für mich sehr wichtig ist und weil ich auch denke, dass es eine gute Nachricht als Friedensbotschaft sendet, sich daran zu beteiligen. Ça reste quelque chose de dur, de quelque chose que quelqu'un a réellement vécu. Donc se mettre à la place de la personne, c'est vraiment émotionnellement touchant. Auch als interkulturelle Trainerin finde ich, es ist erstmal wichtig, dass man sich mit seiner eigenen Geschichte beschäftigt, aber auch, dass man sich mit der Geschichte von anderen beschäftigt, um einfach auch besser sich zu verstehen. Je viens de la région, donc pour moi le débarquement c'est quelque chose qui est présent au quotidien et ce travail de mémoire, il est à mon sens essentiel. Peut-être ce qui est le plus important aussi dans ce projet, c'est cette rencontre. For me as a Ukrainian, it's very important to commemorate the history. Pour travailler sur des projets de l'OFAGE depuis maintenant une dizaine, quinzaine d'années sur ces questions-là, il ne s'agit pas de le faire pour les jeunes, de livrer un message déjà fait, il s'agit de travailler avec eux et de leur permettre de s'approprier ces questions-là de façon extrêmement active et participative. Je prends comme un flambeau générationnel et vu que je pense que ce sera la dernière cérémonie auquel va assister les anciens combattants, c'est important de garder cette flamme et de ne pas oublier pour ne pas reproduire les erreurs du passé.